আরে দেখি둘 다 암컷이에요. Cette maison, elle a été édifiée en mémoire à Robert Houdin, qui au 19e siècle a été le premier reconnu en tant qu'illusionniste. Et Robert Houdin est né à Blois, donc il était blésois. Au rez-de-chaussée, vous avez un musée de la magie. 마지라는 건물 건물이에요. 마지. 주로 votre gauche, vous pouvez apercevoir la façade Louis XII. 자, 근데 성벽에 있는 말 타고 있는 사람은 루이 12세입니다. 여기 살았던 프랑스 왕이요. Au-dessus de la porte du château, vous avez la statue du roi Louis XII sur son cheval. En dessous, vous avez son emblème qui est le porte-épée avec une couronne sur le dos. Et de chaque côté, un R et un A, le L de Louis et le A de Anne de Bretagne. Sa femme. 자, 박물관이나 옛날 성 보면은 L이라는 표시가 많이 돼 있는데 L, B, 루이를 만약에 H라고 써 있으면 강리를 뜻하는 거고, 만약에 N이라고 써 있으면 나폴레옹을 뜻하는 거고. 자, 왼쪽이 13세기에 만들어졌고, 우리 아까 봤던 블루아성 주변을 돌고 이제 마을 돌고. Et donc les états généraux, c'était une assemblée décisionnelle qui rassemblait le clergé, la noblesse et le tiers état. Sur votre droite, là où il y a les arbres, c'était les anciens jardins du château. 자, 원래 오른쪽 정원은 옛날에 이 성의 내부에 있던 정원이었는데 지금은 이제 도시화가 돼서 따로 떨어지게 됐어요. Dans ces jardins, il y avait des arbres fruitiers. Et c'est donc ici qu'est née l'appellation de la plume Reine Claude, en hommage à Claude de France, la femme de François Ier. 자, 저 나무는 이제 François 1세를. Actuellement, nous sommes dans la rue des Trois Marchands. À l'époque, c'était l'axe principal qui reliait Orléans à Tours. 자, 여기 donc, y... Les marchandises passaient par cette rue. 시대부터 Sur votre droite, là, vous avez avant l'auberge des Trois Marchands qui a donné le nom à cette rue. Et donc les cochers rentraient avec leur coche, c'est-à-dire leur voiture à cheval, par cette porte cochère. Pour déposer leur passager sur leur chevaux. Alors, 어제 얘기했죠. 입구가 좀 크면 말이 입구. Vous allez apercevoir des maisons à colombage ou à pont de bois. Elles datent du 15e siècle. C'est ça, les maisons à colombage, c'est ça, en bois. 자, 앞에 좀 오래된 집이 보이는데 저 집이 15세기 1400년대에 만들어진 집이에요. Et donc plus le colombage était complexe, plus le propriétaire était riche. Vous verrez dans la deuxième partie de la balade, je vais vous montrer des colombages qui sont beaucoup plus simples que cela. Là, 오른쪽에 지금 요 집, 네, 1400년대 만들어진 집. Sur votre gauche,
Vous allez apercevoir la façade de l'église Saint-Nicolas. 자, 왼쪽은 Saint-Nicolas 성당. 자, du 12e siècle. 12세기부터 만들어졌어요. La plus vieille église de la ville. 이 동네에서 가장 오래된 성당이에요. Allez, Philippe. Sur votre droite, vous allez apercevoir le quartier du foie. La maman de Victor Hugo y habitait car elle était blédoise. Victor Hugo의 엄마가 살았던 곳이 오른쪽 동네예요. Du coup, Victor Hugo venait de temps en temps séjourner dans ce quartier. 그 다음에 이제 Victor Hugo는 파리로 갔고, 파리에서 여기에 자주 이 동네에 왔었다고 합니다. Devant vous, entre les deux feux là-bas au loin, à côté du panneau parking, vous avez une petite tour. Est-ce que quelqu'un a une idée à quoi elle servait? Elle date de 1700 cette tour. Vous la voyez la petite tour, un tout petit, à côté du parking, panneau parking. Est-ce que vous avez une idée? Pour les bateaux? Non, c'est pas pour les bateaux. Alors je vais vous donner un indice. Cette tour, elle servait que pour les messieurs. C'est ça, en 1700, c'est les premiers aménagements publics. Taquine. Les premiers aménagements publics qui arrivent en ville. Taquine. C'est toi là? Oui. Ça a fait une petite petite. 이 남자 화장실 1700년대 만들어진 남자 화장실 여기서 싸는 거야 강쪽으로. 네. Donc en 1700, c'est les premiers aménagements publics qui arrivent dans les villes. 그래서 1700년대에 최초로 공중 화장실을 만들었대요 여기다가. Votre gauche, elle date du 17e siècle. 왼쪽 건물은 살로메라는 건물이고 17세기에 만들어진. Au 19e siècle, c'est devenu l'hôtel bleu, c'est-à-dire l'hôpital de bois. 그리고 19세기부터는 병원으로 바뀌어서 지금은 국립병원으로 쓰고 있어요. Alors, sur votre gauche, en bas du mur, derrière la voiture noire, vous avez une inscription en rouge. C'est la crue de 1856, la Loire est montée jusque-là. À gauche, vous allez apercevoir l'arrière de l'église Saint-Nicolas qui est en rénovation. Au loin, l'arrière du château de Bois, la partie Gaston d'Orléans, pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure. Devant la petite tour ronde, c'est la tour du Foie qui est un vestige du Moyen-Âge. Et donc sur votre droite, le fleuve royal, la Loire, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour sa faune et sa flore. 자, 왼쪽에 이 강, 여기 강변이 지금은 유네스코 문화재로 지정이 되어 있대요. Et en face de l'autre côté, le quartier des mariniers. Donc les mariniers, c'était les gens qui travaillaient sur la Loire avec leurs petits bateaux à pont plat pour le commerce et pour la pêche. 자, 오른쪽에 있는 건물들은 옛날에 그 배와 관련된 뭐 뱃사공이나 배를 만드는 사람들이 노동자들이 입던 동네예요. 오른쪽에. Allez. 아, 앞에 말이 똥 싸서 냄새 엄청나. Gabriel, d'où le nom de son architecte,
Cet architecte, il a également fait la place de la Concorde à Paris. 자, 옆에 있는 다리를 콩코드 광장을 설계한 사람이에요. 아, 네, 네. Donc ce pont, il est en forme de dos d'âne pour laisser passer les bateaux avec leurs mâts et leurs voiles. Alors ce pont, il a été bombardé deux fois pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on voit que la partie du milieu, les pierres sont plus blanches que sur les côtés. Dans le lit de la Loire, là, vous apercevez des amas rocheux régulièrement, des tas de pierres. En fin de compte, c'est l'emplacement de l'ancien pont médiéval. Ce pont, il était sur l'axe Chartres-Lyon. On a en face la rue Gaston d'Orléans, 지금, à côté du Dôme Blanc. 지금 이제 오른쪽에 보면 돌 같은 게 좀 있는데 이게 옛날에 원래 다리가 있었고. C'était l'axe principal de la ville. Sauf que ce pont y est arrivé une drôle d'histoire. Il a subi un phénomène climatique qu'on appelle la débâcle de la Loire. C'est-à-dire, en l'hiver 1715-1716, la Loire a gelé tellement fort que quand elle a dégelé, les blocs de glace étaient énormes et ils ont emporté le pont. C'est passé, c'est comme tous les ponts médiévaux, il y avait dessus des habitations, il y avait une église, il y avait des moulins, donc ça fait beaucoup de travail ici. Donc ils ont décidé de reconstruire un pont, mais de décaler quelques mètres. Et du fait, ça a décalé l'axe principal de la ville. Oui, pardon, je ne peux pas. Non, allez. Oui. La meute, c'est un spectacle. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font pour les touristes. Après, moi, quand je me balade dans les bois, quand ils chassent à court, bah, je les vois. Ah oui. Ah, regarde sur Internet. Sur leur site, ça doit être marqué. J'ai pas l'information. Alors là, devant vous, vous avez un grand mur blanc et noir. Ce n'est pas un mur, ce sont les escaliers de Denis Papin. 앞에 보시면은 벽화 같은 거 보이죠? 검은색 하얀색. Et ce sont les contre-marches qui sont habillés d'un adhésif. 저거는 이제 계단이에요, 계단. 멀리서 보면 포스터 같은데. Deux fois par an, selon un thème de culture du moment. 저기 디자인은 qui donne cet effet de trompe-l'œil. 1년에 두 번씩 바꾼대요. 계단은 총 120개. Et donc Denis Papin, lui, il est né dans un petit village à 10 km de Blois. Et Denis Papin, il a participé à l'élaboration de la machine à vapeur. Allez, Philippe. Les serruriers. Car à l'époque, les corporations se réunissaient par quartier. Il n'y avait que les boulangeries qui étaient en périphérie des villes pour limiter le risque d'incendie. Alors vous voyez les escaliers, plus on avance, plus ils se dessinent. Il y a 3 ans de ça, c'était les 500 ans de la Renaissance. Ils nous avaient mis le portrait de la Joconde. Alors là, sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. Et donc, vous voyez, en haut des escaliers, il y a la statue de Denis Papin. Et sous sa main droite, Denis Papin, il a une machine. Ici, le 동상은 Denis Papin이라고 하는 사람인데, 증기 기계를 발명. Cette machine, elle s'appelle le digesteur. Et le digesteur, c'est l'ancêtre de la cocotte minute. Thank you.
sur votre gauche, au-dessus du salon de coiffure. Sur vous avez une salamandre. Cela signifie qu'un proche du roi a habité dans cette maison. Les colombages sont beaucoup plus simples. Le propriétaire était moins riche. Donc là, on va recroiser l'axe, l'ancien axe principal avec le pont médiéval. À gauche, la rue du Commerce qu'on a vu tout à l'heure. Et à droite, la rue Porte-Chartrenne qui permettait de sortir de la ville par le haut. Là où vous avez la boutique Jacques Cartier. C'est là que sont nés les chocolats Poulain en 1848. Car les chocolats Poulain sont nés à Blois. Auguste Poulain avait monté sa première boutique là. Ensuite, il y a eu une usine de construit pas très loin à côté de la gare. Quand j'étais petit, cette usine, elle fonctionnait encore. Et donc, on savait quand il allait pleuvoir, parce que le vent tournait, et en ville, ça sentait le chocolat. Ça, ici, quand il y a une année, cette ville a chocolaté. Château. 여기가 아까 위로 지나갔던 옛날 왕궁 정원이에요. Et devant vous, vous avez l'église Saint-Vincent qui date du 17e siècle qui a été financée par Gaston d'Orléans. 17세기에 만들어진 On y retrouve donc son emblème en haut qui est léger entre la sèche. On va revenir. Attention, messieurs, dames. Merci.
Thank you. Donc là, on va revenir sur la statue du roi sur son cheval. On remarque que le cheval, il a les deux jambes droites levées en même temps. Beaucoup de gens disent que le sculpteur s'est trompé. C'est même écrit dans certains livres d'histoire. C'est totalement faux. En fin de compte, là, le roi, avec son cheval, il pratique une allure. Alors certes, cette allure, elle n'est pas naturelle chez le cheval. Elle s'appelle l'amble.